heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. Carmen, c'est avec ce prénom qu'elle avait sa place au milieu de nous et qu'elle répondait à nos attentes et à notre amour. C'est le prénom que nous aimions lui donner, Carmen. Il était la musique de sa présence. C'était elle, tout simplement, Carmen. Maintenant, Seigneur, pour nous, il ne chante plus ce prénom. Il résonne comme une absence, comme un cri dans le silence. Ce prénom, Seigneur, nous le crions vers toi comme un appel. C'est tout ce que nous parvenons à dire aujourd'hui. Alors que notre cœur est rempli de tristesse. Carmen, c'est le prénom
que tu lui as donné, Seigneur, au jour de son baptême, et par lequel tu continues de l'appeler comme un enfant bien-aimé à qui on apprend les premiers pas de la vie. Par ce prénom, tu l'as appelé, Seigneur, à progresser selon l'évangile de ton Fils et à grandir en se dépassant à l'image de ton Fils pour le bonheur de toutes les personnes qu'elle côtoyait. Aujourd'hui, Seigneur, comme un père qui ouvre ses bras, tu l'invites avec ce prénom à s'approcher de toi pour t'entendre lui dire « Viens, Carmen, viens, ne crains pas, tout est préparé pour toi. » Comment pourrais-tu, Seigneur, oublier ceux et celles que toi-même as nommés les enfants de ton amour? C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. À ce moment de notre célébration, j'inviterai Patrick et Jessica à venir nous partager les beaux souvenirs qu'elles ont gardés, conservés de Carmen. Testing. Je vais y aller le premier vu que je suis le plus vieux des deux. Fait que on va briser la glace. J'ai juste appelé le petit ex Carminouche. Merci à Nicole de m'avoir demandé d'écrire le petit mot. En toute simplicité puis avec humilité, bien sûr. Quand je pensais à tous les souvenirs vécus avec tante Carmen, comme vous tous, je suis certain, l'inventaire était très large. 92 ans, ça reste une vie extraordinaire. Du chalet au lac Malaubès en passant par Saint-Fabien-sur-Mer, les messes de minuit, les jours de l'an, les innombrables soupers, il y en a tellement. Et la trame de fond pour tous ceux-ci reste souvent la même, en se rappelant sa bienveillance, sa bonté, sa générosité, le don de soi, toujours authentique. Je me suis aussi rappelé son ardeur à participer à tous les concours possibles et imaginables. Combien de fois elle a gagné des trucs ici et là, des billets de spectacle, des plats en Pyrex, même un système de son. Et j'entends encore mon père lui dire « Laisse faire les prix de consolation, Carminouche, ce qu'on veut, c'est le gros lot. » Elle trouvait ça bien drôle avec son sourire unique et authentique. Même chose pour sa passion extraordinaire pour les gratteux. C'était son petit bonheur, comme quoi ça coûte pas cher de rêver. Mais au-delà de tout ça, ce dont je me souviendrai toujours, c'était de la voir à la fenêtre pour nous saluer à chacun de nos départs. Comme pour s'assurer que tout irait bien. Comme elle a toujours fait pour ceux qu'elle aime, pour veiller sur nous. On appellera ça de la bonté éternelle. Alors, au nom de tous ceux et celles rassemblés ici, la famille, merci pour tout, ma tante Carmen. On t'aime. Ma précieuse tante Carmen, tu as accompli ton rôle de grande tante avec tant d'amour et aujourd'hui, j'aimerais témoigner l'amour que je te porte à mon tour. Je n'ai pas pu connaître ma grand-mère Micheline Gaudreau. Mais tu as su si bien combler le vide de son absence. Je me souviens que toute petite, je ne comprenais pas la différence entre une grand-mère et une grande tante. Car pour moi, tu portais naturellement un rôle de
de bienveillance et tu me donnais tellement d'amour par ta présence. Tu as été présente à chacun de nos anniversaires, durant notre jeunesse, à Noël, à chaque Pâques, pour les autres petits et grands-mamans de ma vie et de celle de ta famille. Tu venais me faire un petit coucou chaque semaine à mon emploi étudiant à l'époque. Tu prenais de mes nouvelles et tu m'accueillais avec tant de joie dans ta maison, avec ton minou. Me sentir importante à tes yeux a certainement favorisé mon parcours de vie. Ma sœur Vanessa et moi avons de la gratitude d'avoir développé un lien significatif avec toi. Je vais partager en mémoire ton rire contagieux. Je vais garder en mémoire ton rire contagieux, ton merveilleux sourire, ton regard rayonnant et ta bienveillance. Comme femme, j'ai pu apprendre de toi que les petits bonheurs simples sont importants pour vivre une vie heureuse. J'ai aussi appris de toi qu'être présent pour ceux qu'on aime, c'est la plus grande richesse. Je resterai à jamais convaincue que ma grand-mère Micheline est fière de toi quant au support que tu as offert à ma mère Ingrid et à notre famille. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'offrir une place chaleureuse dans ta vie. Merci d'avoir été une si bonne personne pour ton entourage. C'est avec beaucoup d'amour et de respect que je te souhaite du repos en paix avec tes êtres chers. De ta petite nièce qui t'aime, Jessica. Avec le silence et la pluie.
Au début de cette liturgie, il est bien d'assurer de notre affection et notre sympathie ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui sont, que l'on connaît, qui sont surtout membres de sa famille. Cette liturgie est aussi une occasion d'affirmer les liens d'amitié et d'affection que nous tissons au long de notre vie et qui ne s'arrête pas avec la mort. C'est une occasion de nous recueillir, de prier, d'écouter la parole de Dieu, et de nous rappeler, comme nous venons de l'entendre, ce qu'il y a eu de beau, de grand, de vrai dans la vie de Carmen, tout en demandant à Dieu de l'accueillir. Dieu notre Père, toi seul, peut vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que Carmen, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Maintenant, Seigneur, ouvre nos paroles à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre ce détachement. Saint Paul nous dit dans une de ses lettres, « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux et celles qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. » Saint Jean nous dit dans son Évangile, « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Eh bien, pour Carmen, cette parole de Jésus s'est réalisée. Il y avait une place au paradis préparée tout particulièrement pour elle. Et elle est allée occuper cette place. Et avec la vie d'amour et de charité fraternelle que Carmen a vécue, je suis certain que la place qui était préparée pour elle est très belle et qu'elle est heureuse de l'occuper. Eh oui, notre vie
ici-bas, c'est un passage. Nous croyons que nous avons une âme immortelle. C'est ce qui nous différencie en grande partie de toutes les autres créatures sur Terre. Nous croyons. Si Dieu nous a appelés à l'existence, ce n'est pas pour, après notre vie, disparaître dans le nul. Non. Non. Nous avons été créés à l'image de Dieu et ce que Dieu a créé ne disparaît pas dans le nul. Surtout, surtout, nous, les êtres humains. Quel bonheur là-haut. Quand on parle de ça, il y en a beaucoup qui disent, mais on ne sait pas, vous dites ça, mais il n'y a personne qui est venu nous le dire. C'est vrai? Il n'y a personne qui est venu nous le dire. Ce n'est pas tout à fait vrai. La Sainte Vierge, vous croyez en Maman Marie, elle est venue. Elle nous a parlé. Elle a parlé à des enfants pour être certain que il n'y a pas de tromperie en arrière de son message. Les enfants, vous savez, c'est spontané. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils disent, c'est difficile qu'un enfant soit rusé. Il y en a quelques-uns, par exemple. Ben. Mais en général, les enfants sont spontanés, sincères. Et ces enfants qui ont eu cette grâce de voir la Sainte Vierge, l'ont dit avec toute simplicité. Ils ont dit qu'elle était très belle. Carmen a sa joie de contempler la beauté de sa maman céleste. Oui, c'est beau là-haut, c'est beau. Il faut y croire. Il faut y croire. Ça nous stimule dans notre pèlerinage ici-bas qui n'est pas toujours facile. Et ça nous invite, je dirais aussi, quand on pense à l'exemple que nous ont donné ceux qui nous ont quittés, ça nous invite à chercher à les imiter. Quand on participe à une liturgie de ce genre, on met en évidence toutes les qualités, les beautés qui ont caractérisé celle qui nous a quittés. Mais comme nous autres, sûrement elle avait ce petit défaut. Un petit caractère, peut-être, je ne sais pas, là, je ne l'ai pas connu personnellement, mais on passe par-dessus ça. Et surtout, surtout, ce qui est triste, c'est que c'est facile de faire des jugements sur les autres. Mais je vous inviterai à vous mettre devant un miroir, là, puis est-ce que j'ai toujours été bon, sincère, gentil avec tout le monde? Se parler à soi-même, là, ouh. Des fois, ça nous secoue un peu. Alors, retenons de Carmen toutes ses bontés, tout son engagement aussi. Hein. On me disait que elle a été ici, là, guide. C'est comme des scouts, là, mais c'est la partie féminine de ce mouvement-là. Et c'est bon parce qu'on enseigne aux jeunes qui font partie des guides, des scouts, des valeurs. Chrétiennes, pas nécessairement catholiques, mais chrétiennes. Et surtout l'entraide, être servicial, non? Et c'est ce que Carmen a assimilé, appris de ces expériences-là qu'elle a faites durant sa jeunesse. Et c'est pas pour rien qu'elle avait des amitiés qui duraient, comme on m'a dit ici, des amitiés qui duraient toujours. La sincérité. C'était vraiment une caractéristique de Carmen, sincère dans ses relations, dans ses amitiés. Alors, retenons, hein,
ce beau témoignage que Carmen nous a donné, vous a donné à vous en particulier, ceux qui l'avaient connue, qui avaient vécu des beaux moments avec elle. Et demandez-lui, on oublie souvent, hein? On est triste, on pleure, mais demandez-lui de vous aider. Là-haut, on n'a plus de limite de temps ou d'espace ou de lieu. Hein? Partout, elle peut, partout où vous vous trouvez, dans quelques circonstances ou événements que vous vivez, elle peut, si vous vous adressez à elle, de quelque façon vous aider, vous réconforter, vous encourager, et même peut-être vous inspirer quelque chose que vous avez des doutes, comment faire et tout. C'est surprenant quand on s'unit mentalement, spirituellement, de cœur avec ceux qu'on a aimés et qui sont là-haut. C'est surprenant de voir comment elles peuvent nous aider et nous protéger aussi. Surtout quand il se traite d'une maman ou d'un papa qu'on a tous eu et sont au paradis, ils continuent leur mission de papa, maman et dans le cas de Carmen, d'être une amie sincère comme elle a toujours été. Et remerciez le bon Dieu, remerciez-la aussi de vous avoir, d'avoir mis sur votre route, sur votre chemin, cette âme extraordinaire. Et ça m'émoie de savoir comment elle sera heureuse de venir vous aider. Et en son nom, je veux un petit message de Carmen. En son nom, je vous dis merci de votre présence ici, de votre témoignage d'amitié et d'amour que vous lui manifestez par votre présence. Elle est très heureuse de ça. Et à sa façon, à sa manière, elle va vous exprimer, vous faire sentir sa reconnaissance. Elle ne viendra pas la nuit vous chatouiller les orteils, vous faire peur, vous faire mourir, là. Non. Inquiétez-vous pas. Il y a bien des façons d'exprimer et de manifester notre amour et notre reconnaissance, et Carmen, sûrement, va le faire. Notre vie, comme les saisons, est un long voyage. Et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver l'amour et le véritable bonheur. Prions Dieu pour ses bienfaits dans la vie de Carmen qui nous a quittés. Pour les printemps que Carmen a vécu, pour ses années de jeunesse et pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Carmen a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où elle a semé son temps, son énergie, sa tendresse auprès de sa famille et de ses amis. Béni sois-tu, Seigneur. Béni. Pour les automnes que Carmen a vécu, pour ses temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu dans sa famille. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Carmen a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette cinquième saison dans laquelle Carmen est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu.
Père de toutes les saisons, notre vie est entre tes mains. Accorde aujourd'hui à Carmen de découvrir la clarté de ton visage et la joie de te voir face à face. Ensemble maintenant, disons cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est venu le moment de dire adieu à Carmen. C'est un moment difficile, plein d'émotions et de tristesse. Nous le faisons dans la foi et l'espérance de nous retrouver un jour avec tous ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont aimés sur cette terre. Nous prions pour que Dieu soit miséricordieux envers Carmen. Que Jésus, le bon pasteur, guide Carmen vers la demeure éternelle auprès de Dieu notre Père, afin qu'elle soit heureuse en présence de tous les saints et saintes du ciel. Dire adieu, c'est accepter de tout remettre entre les mains de Dieu. Dans la foi de l'Église, nous nous souvenons que Carmen est l'enfant de Dieu. Baptisée dans la mort et la résurrection du Christ, c'est aussi par lui que nous recevons la vie éternelle. C'est pourquoi, quand vient l'adieu de l'Église, c'est avec l'eau du baptême que nous bénissons et honorons le corps des enfants que Dieu aime. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur Carmen dans l'espérance que tous ceux et celles qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Carmen qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous le courage et le réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Carmen auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Après l'inhumation, vous êtes invités au restaurant favori de Carmen, au Duhamel, sur la rue Dufferin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la sortie de la chapelle, il y a un panier en paille blanche. Si vous laissez une offrande, elle servira pour des célébrations de Sainte-Messe pour Carmen. On n'accepte pas les cartes de crédit, par exemple. Alors, je voudrais juste vous mentionner que j'ai quand même, moi, connu Carmen personnellement. J'ai connu cette dame il y a 32 ans, elle avait 60 ans, donc en principe déjà retraitée, à l'ambulance Saint-Jean. Elle s'est occupée pendant plusieurs années, c'était
avec ce qu'on a entendu aussi, c'était un peu sa vie, le bénévolat, s'occuper des autres. Et j'ai quand même un bon souvenir. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand j'ai vu sa photo, on est 32 ans plus tard, puis elle est pareille. Déconnue à 60 ans, puis elle a 92 ans, puis on dirait qu'elle a encore le 60 ans que quand je l'ai connue. C'est une femme que je pense qu'elle a donné beaucoup. C'est sûr que je l'ai connue, comme je dis, ça fait plusieurs années. Je ne l'ai pas revue nécessairement souvent, mais quand je la croisais au restaurant ou en ville, elle avait toujours une belle façon, un beau sourire, allô Eric, tout ça. Fait que c'est fait. Puis la mémoire aussi de souvenir des gens que quand même qui ont fait partie d'Amblons Saint-Jean ou dans d'autres organismes ou qu'elle s'est impliquée, de souvenir de ces personnes-là, même si ça fait des années et des années. Puis même hier, j'ai croisé deux autres personnes de l'ambulance Saint-Jean qui sont ici encore ce matin. Donc, de revoir des gens après plusieurs années, puis qui ont encore le feu sacré comme Carmen a pu l'avoir pendant plusieurs années. Bien, c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui ont un bon cœur pour les autres. Alors, nous allons quitter dans quelques instants pour le cimetière, pour l'inhumation. Les gens qui vont nous suivre, nous accompagner au cimetière, je vous demanderai de mettre les clignotants sous votre voiture tout le long du trajet et de suivre le véhicule qui vous précède le plus près possible, surtout aux intersections, afin que les voitures qui ne font pas partie du cortège viennent l'obstruer. Soyez quand même prudents, puisqu'on risque de passer sur des stops. On va passer peut-être sur des lumières rouges. Par contre, nos véhicules d'avant, ils ont des gyrophares à l'avant, mais pas les vôtres. Donc, soyez prudents. Assurez-vous que le véhicule qui vient en contresens est bien arrêté avant de vous engager, puisque lui ne pourrait peut-être pas savoir que vous êtes dans un cortège. Et malheureusement, si vous avez un accident ou quelque chose, vous êtes quand même responsable. Donc, soyez prudents. On y va tranquillement quand même. On s'en va jusqu'au cimetière. On fera une petite prière à la fosse. Et par la suite, la famille, comme vous avez été mentionné, vous êtes invité à vous rendre pour continuer de fraterniser avec la famille au restaurant du ML de la rue Dufferin. Donc, en continuant sur Dufferin un peu plus loin, après le cimetière. Au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage. Et les gens qui devront nous quitter par la suite, que ce soit immédiatement ou après le goûter, on vous demande d'être très prudents sur les routes. Remercier aussi M. le curé pour les belles paroles et ceux qui ont fait des témoignages. Donc, comme l'a mentionné, il y a le panier pour les offrandes de messe à la sortie de la chapelle. On va demander, il va y avoir un champ de sortie et on va demander aux porteurs de s'avancer pour qu'on sorte avec le circuit en premier et vous pourrez suivre par la suite la famille pour aller prendre place dans les véhicules. Merci. Thank you.